Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, le même jour, hein, nous allons reparler de l'autre trou du cul qui a twerké dans une église. Voilà. Alors, monsieur, maintenant, il veut faire pire que l'étape de twerker dans une église. Il veut faire ça dans une mosquée. Franchement, il y a des gens qui sont malades. Putain, non mais frère, vous, ça se voit, vous n'avez pas envie d'être tranquille dans votre vie. Frère, la guerre entre, je crois, c'est l'Ukraine et la Russie, je sais pas quoi. Enfin, ça, j'ai pas suivi, par contre. J'ai pas suivi. L'autre qui twerk dans une église, le corona, la fin des masques, l'élection. Oh là là, il y a trop de bordel d'un coup. Oh là là. En plus, la notification de mes vidéos, oh là là, oh putain, sérieux, c'est chiant. Ah, c'est chiant, là, c'est... Putain, c'est casse-couille. Déjà, mec, tu pourras pas le faire dans une mosquée. Ce que t'as fait publiquement sur TikTok comme une grosse salope avec ton pote, là, en plus, tu pourras pas le faire dans une mosquée parce que déjà, ils vont te buter. Et encore, il a encore de la chance, ce petit salopard, d'être encore en vie. Ouais, t'as beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Ah là là. Ah, et nous allons parler aussi de la vidéo fake de Kamov. Oui, parce que voilà, j'ai essayé de creuser un peu et j'ai su que c'était fake. C'est juste que la dernière fois, j'ai eu une réaction à chaud et j'ai dit. Eh, vous avez vu 6 contre 1, c'est pas égal. Mais si, si, si. Si c'est fake, c'est totalement égal. Bref, parce que je suis désolé, mais quand on voit sa tête sur Insta, t'as l'impression c'est un court-métrage. Un court-métrage, putain. Du maquillage, merde. C'est ça que je voulais dire. Bref. Et ensuite, il a publié ça en mode. Bah, voilà ce qu'ils m'ont fait, ces connards. Voilà, ils m'ont défoncé la gueule. Bon, c'est tout pour cette vidéo, hein. Ça fera une vidéo courte. De toute façon, la plupart de mes vidéos sont courtes. Voilà. Je vous laisse sur cette vidéo. Bye! C'était Lil Smoker.